Bonjour, bonjour. Comment ça va? Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le livre Marie Curie. Je vais lire le chapitre plusieurs fois. Je te conseille d'écouter plusieurs fois la lecture. Et pendant la pause, tu peux chercher le vocabulaire que tu ne connais pas. Allez, c'est parti! Au Panthéon. En 1995, ma tante Ève, mon frère et moi, les héritiers d'Irène, nous recevons une lettre. C'est une demande officielle pour que Pierre et Marie entrent au Panthéon. Avant de répondre, on s'est posé la question. On s'est rappelé la phrase de Pierre. Je n'ai pas besoin de décoration, j'ai besoin d'un laboratoire. Mes grands-parents n'ont jamais aimé les honneurs, mais le temps est passé. En 1995, il n'y a pas encore de femmes au Panthéon. Alors, nous avons accepté très vite.
Bonjour, bonjour. Comment ça va? Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le livre Marie Curie. Je vais lire le chapitre plusieurs fois. Je te conseille d'écouter plusieurs fois la lecture et pendant la pause, tu peux chercher le vocabulaire que tu ne connais pas. Allez, c'est parti! Au Panthéon. En 1995, ma tante Ève, mon frère et moi, les héritiers d'Irène, nous recevons une lettre. C'est une demande officielle pour que Pierre et Marie entrent au Panthéon. Avant de répondre, on s'est posé la question. On s'est rappelé la phrase de Pierre. « Je n'ai pas besoin de décoration, j'ai besoin d'un laboratoire. » Mes grands-parents n'ont jamais aimé les honneurs, mais le temps est passé. En 1995, il n'y a pas encore de femmes au Panthéon. Alors, nous avons accepté très vite. Thank you.
Bonjour, bonjour. Comment ça va? Dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Aujourd'hui, je vais continuer de vous lire le livre Marie Curie. Je vais lire le chapitre plusieurs fois. Je te conseille d'écouter plusieurs fois la lecture et pendant la pause, tu peux chercher le vocabulaire que tu ne connais pas. Allez, c'est parti! Au Panthéon. En 1995, ma tante Ève, mon frère et moi, les héritiers d'Irène, nous recevons une lettre. C'est une demande officielle pour que Pierre et Marie entrent au Panthéon. Avant de répondre, on s'est posé la question. On s'est rappelé la phrase de Pierre. Je n'ai pas besoin de décoration, j'ai besoin d'un laboratoire. Mes grands-parents n'ont jamais aimé les honneurs, mais le temps est passé. En 1995, il n'y a pas encore de femmes au Panthéon. Alors, nous avons accepté très vite.